D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour savoir comment rentrer dans un tournoi gratuitement fait par Clash Royale. Et donc, c'était des tournois de 10 000 gemmes, donc c'est des tournois quand même qui sont vraiment pas mal, avec 1000 personnes dans chaque tournoi. Alors, pour y rentrer, c'est très très simple. Donc là, je vous fais une vidéo pour vous montrer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à rentrer dedans, ou qui ne comprend pas trop comment rentrer dans ce fameux tournoi. Donc en fait, c'est très simple. Déjà, il faut aller sur ce lien-là. Je mettrai ce lien-là en description, vous l'aurez en première ligne. Donc une fois que vous êtes dessus, enfin en gros c'est le lien qu'il y a sur la page Twitter, hein, et Facebook aussi, je pense. Donc vous allez dessus, vous arrivez ici. Donc là, en fait, il faut vous connecter. Moi, j'écris profil parce que je suis déjà connecté. Mais après, il faut vous connecter ou vous inscrire. Donc là, vous mettez tout ce qu'il demande, hein, inscription, tout ce qu'il demande. Il faut avoir 16 ans et il faut être au moins niveau 8 pour participer au tournoi, logique. Donc voilà, et une fois que c'est fait, donc du 11, donc à partir de la vidéo qui sortira normalement le 12, j'espère, bah en gros du 12 au 16, enfin, en gros du 11 au 16, il y a la première phase. Donc moi, j'ai déjà fait la première phase et j'ai perdu, je suis arrivé 300 par là, 300 sur 1000. Donc après, j'ai arrêté au bout de... Les 15 dernières minutes, j'ai arrêté parce que je savais que c'était déjà fini, donc j'ai arrêté. Bref, du coup, vous avez plusieurs phases, phase 2, phase 3, phase 4. Du coup, voilà, je vous laisse lire tranquillement. Mais en gros, chaque phase, voilà, vous avez un laps de temps. C'est normal parce qu'en fait, il y a pas que l'Europe qui joue, enfin, il y a de l'épée d'Europe, mais il y a plus, il y a l'Amérique aussi. Attendez, c'est écrit, je crois que c'est écrit là-haut, en bas plutôt. Il y a quel pays? Bon, je sais que c'est écrit en tout cas. Bon, en tout cas, il y a plusieurs pays et plusieurs continents. Du coup, voilà. Il y a plusieurs continents qui sont mis en relation. Du coup, ça se finit entre le 30 juin et le 10 juillet avec la finale. Donc voilà, c'est des tournois de 1000 personnes. En gros, c'est des tournois de 10 000 gemmes. Si vous arrivez premier, bien sûr, ben, vous gagnez. Je crois que c'est 1000 cartes. Je crois que c'est ça, 1000 cartes. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ou 2000, je sais plus. Mais bref, en tout cas, voilà, vous gagnez quand même pas mal de cartes. Et c'est des tournois totalement gratuits. C'est ça qui est vraiment cool. Donc, une fois que vous êtes connecté. Une fois que vous êtes connecté ici, là vous aurez fait connecter votre inscription, puis après vous vous connectez. Vous arrivez donc ici. Donc ici en haut, il y a quoi? Il y a mon profil. Il y a des informations personnelles, donc je vous montre pas. Mais en gros, il y a pas mal d'infos. Donc là, vous pouvez sélectionner la date. Par exemple, imaginons là aujourd'hui, on est les deux. Donc là demain, on va être le 12, 13, 14, 15. Imaginons que vous vous inscrivez et vous avez dessus le 14. Vous faites 14. Vous avez donc. Alors, si vous êtes en Europe. Ben, vous avez les tournois européens, moi c'est Europe, Union Européenne, enfin c'est... attendez, c'est bizarre. Bon, il y a EU, en gros c'est Europe pour nous. EU, ouais, EU c'est Europe. Et après, si vous êtes en Amérique, ça change, bien évidemment. Le nom change. Du coup, imaginons que vous êtes le 15. Vous allez par exemple dans ce tournoi-là. Voilà, vous êtes en gros, c'est le tournoi de lundi 15. Il commence à 15h. Et 2h plus tard, donc en gros... Il commence à 15h, 2 ans plus tard, le temps de préparation. Il commence en fait réellement à 17h, c'est-à-dire à 5h, 17h. Et du coup, il dure 1h, c'est-à-dire que le tournoi finit à 18h. Donc en gros, vous arrivez à 15h, il finit à 18h. Donc vous en avez plein. Plein à 15h, plein à 16h, plein à 17h, plein à 18h, plein à 19h. Donc voilà, vous en avez plein. Donc là, il y a 19h. Du coup, oups, vous avez vu mes infos. Bon, ça va, c'est pas très grave. Du coup, par exemple, imaginons que vous vous mettez ici, vous en avez, je crois, jusqu'à la 21h. En gros, ça commence à 21h, du coup, ça finit à 22h. Donc, c'est quand même relativement tard. Donc, voilà, ceux qui travaillent, par exemple, la journée, enfin, le samedi, ça reste tranquille. Mais du coup, voilà, si vous voulez participer, en gros, c'est très simple. Ben, là, vous arrivez sur votre profil, en gros. Hein. Là, vous voyez écrit ici, profil. Donc, en gros, vous mettez ça, slash profil, si vous voulez aller plus rapidement. Et du coup, vous choisissez la date, vous choisissez n'importe quel tournoi que vous voulez. Évidemment, si vous pouvez trouver des joueurs assez faibles, ben essayez. Mais bon, déjà, entrer dans un tournoi, c'est assez... C'est pas difficile, mais bon. C'est quand même relativement complexe. Donc c'est déjà pas mal. Et donc ici, vous aurez... Donc là, imaginons que ça commence à 15h. À 15h, vous aurez le code. Donc vous aurez 2 heures, de 15h à 17h. Pour mettre le fameux code, pour rentrer dans le clan. Parce qu'évidemment, il y a des codes, hein, sinon il y aurait 1000 personnes d'un coup, quoi, en fait. Du coup voilà, et du coup après à 17h, ça commence, et voilà, tout simplement. En gros, vous avez tous les codes ici. Et les codes apparaissent directement à partir de l'heure qui est indiquée ici. Donc là par exemple 15h, et là par exemple à 19h, il y aura le code inscrit ici. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu.
En tout cas, une petite vidéo pour montrer voilà, comment avoir, enfin comment rejoindre ces fameux tournois qui permettent tout simplement. Enfin, en gros, à quoi ça sert ce tournoi? Déjà, ben, on peut gagner des cartes, c'est déjà pas mal. Et des coffres, du coup. Enfin, des coffres et des cartes, du coup. Mais en fait, si vous arrivez tout ici, en fait, en finale, vous pouvez gagner. Si vous arrivez, enfin, si vous gagnez la finale, en gros, vous pouvez gagner 1 million de dollars. Fait par Supercell. Enfin, donné par Supercell. Donc voilà. C'est quand même pas mal et je pense que les 6 meilleurs joueurs auront des cadeaux. Hein. Si le premier gagne 1 million, je pense que les autres vont pas gagner rien du tout. Ils vont gagner, je pense, une certaine somme. Donc voilà. Donc voilà ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment un événement Clash Royale. Donc c'est vraiment super sympa de la part du Clash Royale. Après, c'est sûr que voilà. C'est la première fois que ça arrive. J'espère que ça sera plus souvent. Mais en tout cas, voilà. Petite technique pour. Enfin, petite technique. Petite information pour, ce, pour intégrer ces fameux tournois et pour être sélectionné parmi. Les joueurs pour peut-être arriver en finale, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao.